Et bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, que comme moi tu as eu un super soleil, un super temps, une bonne température, il fait bien chaud. Moi c'est Flo, et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. C'est parti pour, je sais pas lequel, mais il me reste 5 astros à faire. Lequel autour de qui? Je regarde pas, hein, tu choisis, je te laisse choisir. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lequel veux-tu? Lequel veux-tu? Je suis là. Non, j'ai envie de prendre celui-là. Capricorne. Eh ben allez, c'est parti. C'est parti pour toi, Capricorne. Bon, je continue sur ma lancée comme les deux premiers. Les deux premiers, n'importe quoi, comme pour les autres. Je vais improviser avec les jeux que j'ai là. J'ai plein de jeux là. Lequel je vais prendre pour toi? Lequel je vais prendre pour toi? Capricorne, Capricorne, fais voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit. Capricorne, concentration, ambition, organisation, persévérance, prudence, patience, élévation, sérieux, avarice, détachement. Qu'est-ce que je vais prendre? Pour faire les énergies, écoute, on va faire, tu sais quoi? Vu que tu es dans la concentration, le sérieux, la persévérance, le détachement. Allez, on va prendre le détachement, je sais pas. On va prendre pour les énergies, je prends là-dedans, au hasard, une carte, je crois que c'est les acouphanges. Acouphanges et acouphanges guidance, tiens, bah tiens, un moment. Donc voilà, ton énergie, pas ton énergie, mais c'est le. En fait, c'est la carte qui va, principale, qui va mener un peu le jeu. Et on a l'amour de soi avec. La carte 01. 01, l'amour de soi. Regarde. Une jolie carte. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais faire avec. Donc, avec un nouveau jeu que j'utilise là depuis quelques jours, non, depuis hier. Donc, depuis quelques signes. C'est le Spark of Love d'Irène Rust Tarot. Et ma foi, il est très très bien. Donc, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Amour de soi. Est-ce que je prendrais pas. Attends, attends. On va se prendre une ou deux cartes de l'oracle des énergies. Ou de l'énergie. Je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Allez, on en prend quoi? Une, deux, une, deux, une, deux. T'en veux combien? Allez, dis-le. Allez, pense fort, fort. Une ou deux? Une ou deux? Ah, il y en a une qui a sauté. Eh ben, j'en prends une. Non, il n'y en a qu'une qui a sauté. La tempête. La tempête. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Amour de soi et la tempête. Et c'est parti! Et c'est parti. Alors, hop. À la coupe, à la coupe, on nous dit sérénité et on nous dit dénouement. À la coupe, hein. Donc, on va voir si la coupe ressort. J'analyse un peu plus la coupe, mais si elle ressort pas. Je laisse faire en fait, je laisse faire. Allez. Alors tout à l'heure ça a sauté, est-ce que ça saute ou pas? Ça saute pas tout le temps, des fois je vais les chercher si ça saute pas. Sinon c'est trop long en fait. Bon là j'en ai une, je vais la mettre là. Parce que sinon c'est trop long, ça va durer une heure avant que tout saute. Donc il y en a qu'une qui a sauté. Quelle est? Ah là, là, l'engagement, les anneaux. L'engagement, ben, tiens, je vais la mettre là, au centre. Donc, ça peut être, alors, vu qu'il y a l'amour de soi, ça peut être justement un engagement envers toi-même, hein.
pas spécialement envers quelqu'un d'autre. Il y a la tempête, on va voir si cette tempête... Alors, et on aura la confusion à analyser avec. Allez, c'est parti, avec, donc, avec les anneaux et l'engagement, on a la création, et on a, bah tiens, ça c'était dans la coupe, hein, le dénouement. Hop. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit. Alors là, on a le silence. L'isolement. L'ermite. La tour. Les imprévus. Ah, on a la tempête. On a la tempête et là, on a la tour et les imprévus. Qui est à côté du dénouement. Donc la fin est imprévue. Alors c'est un tirage général, donc tu prends ce que tu prends, hein. Tu prends ce qui te parle, ou même tu prends que ce que tu aimes. C'est sympa ça, de prendre que ce qu'on aime, c'est sympa. Surtout là pour les cartes, quoi. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. On est là pour passer un petit moment ensemble, toi et moi, tout simplement. Un petit moment de détente ou pas, parce que suivant les messages. Après, donc c'est pas perso, donc je sais pas, ça peut te parler ou pas. Ça va dépendre à toi de l'adapter à ta situation, à si tu as une question, à, voilà, à toi. À toi, tout simplement. Amusement. Alors, ouais, là je fais donc un message, donc le dénouement est imprévu et il demande de la légèreté, de l'amusement. De l'amusement. Alors, on est toujours dans l'amour de soi. Il y a l'amour de soi, la tempête, hein, oublie pas, qui est en principal. Donc, on a la création, le silence, le doute. Donc, là, j'ai envie de te dire, en fonction de ce que tu fais, alors peut-être que tu as un projet en cours, peut-être que tu crées des choses. Chez le magicien aussi, hein, donc tu vois, c'est créer, ça peut être plein de choses, hein, c'est faire aussi de la magie, c'est le magicien. Hein. C'est démarrer quelque chose. Début. Là, on a le silence, donc on te dit, peut-être que là, on est en train de te dire, attention, pour l'instant, garde le secret, ou n'en parle pas trop. N'exprime pas tes doutes. Garde cette... Et alors là, amour de soi, je pense qu'il faut que tu... n'exprime pas tes doutes, aie confiance en toi. Et confiance en toi. Il y a cette notion de tout changer quand même avec la tempête. Tu vois, une tempête, ça bouscule les choses et tout. Et mais ça, je pense que c'est au dénouement. Je pense que c'est à la fin. Là, avec l'ermite, il y a l'isolement, comme si tu prenais du recul ou tu te mettais à l'écart. C'est, comment dire, tu vois, il y a cette notion d'être... Alors peut-être que tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi. Il y a un engagement. Oui, en fait, peut-être que cet engagement, il est pour toi, en fait. C'est à toi de prendre cet engagement avec toi-même. Je pense que c'est ça, en fait. Et là, on te dit aussi
d'avoir un peu d'insouciance, tu vois. En plus, c'est juste sous les doutes, c'est avec les doutes. Donc, tu as des doutes, et là, on te dit un peu de prendre un peu, en plus, après, il y a la légèreté aussi, tu vois, de prendre ça un peu à la légère et de ne pas. Non, je vais pas la chercher la carte. Je vais te montrer la carte du mental, de l'ego, de l'oracle du petit bonheur, où tu as voilà, le personnage, le petit Bouddha, il est écrasé par plein de ballons qui représentent l'ego, le mental, etc., etc. Ben là, peut-être que voilà, on te demande un peu plus de légèreté, d'avoir un peu un esprit d'enfant, d'insouciance. Et de créer, en fait. Il y a le côté création. C'est lorsque tu démarres, en fait. Là, je crois que. Je pense que ce magicien-là, il vient démarrer quelque chose. Il vient démarrer quelque chose. Donc, aie confiance en toi. Les imprévus, prends-les en légèreté. Prends. La roue tourne, tu vois, la roue tourne, il y a la roue de la fortune, c'est quand même une très bonne carte. C'est là, ben, tu vois, l'imprévu, ben justement, toi tu as des doutes, et l'imprévu, et en plus on te dit, hein, aime-toi, fais-toi confiance. Et bouscule les choses, change les choses. En plus, regarde, on a la carte 01 et la carte 10. J'espère que tu vois à l'endroit. On a le 01 et le 10. C'est marrant parce que ça fait, si je les mets à côte à côte, ça fait les chiffres miroirs. Ça fait chiffre miroir, 10, 10, 0, 1. Vraiment le côté miroir, miroir. Fais-toi confiance et bouscule les choses. Vas-y dans tes changements, là. Vas-y dans tes changements. Vas-y dans tes changements. Tu vois, là, on voit qu'il y a la confusion. La confusion, ils sont là avec la partie doute. Mais aussi avec cet imprévu qui va porter à confusion et qui va semer des doutes, justement. Et c'est là où on te demande aussi d'avoir un regard un peu plus d'enfant, un regard insouciant et de. Il est où? Et de. Et d'y aller, en fait. Par contre, il y a le côté ermite, donc peut-être que tu es. Alors, non, en fait, c'est juste qu'on te demande de faire les choses seul, enfin seul, de ne pas dévoiler encore tes projets, de ne pas dévoiler en fait ta création. Là, c'est, je pense que tu en es au stade. Je pense que là, c'est le stade justement de démarrer quelque chose. Et là, on te demande de ne pas trop en parler, justement. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Mathéès. Mathéès. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Allez, go. On a la force, donc tu vois. Toi, tu as des doutes, mais sois fort, sois forte. La force est là. La force est avec toi. Et là, tu vois, il y a la fin. La fin de quelque chose. Peut-être la fin de cet engagement. Tu vois, peut-être que justement, tu doutes. Comment dire?
Peut-être qu'il y a une peur de t'engager dans ton projet, dans ce nouveau départ, ce peur de mettre fin à quelque chose. Là, on a le serpent qui. Là, j'ai envie de te dire qu'il représente l'espoir, en fait. L'espoir. Allez, une autre. Ben, on a à nouveau l'isolement qui ressort. Et là, j'ai comme l'impression que c'est un peu ta force. Tu vois, déjà, il ressort deux fois. Il ressort quand même bien. C'est un peu, je pense, ta force. La force de te retrouver, toi. C'est, oui, je pense que c'est ce qu'on veut nous dire là. Oui, réfléchis aussi parce que là on a la carte, comme je te disais, des principales qui est amour de soi. Et là, quand même un peu beaucoup d'isolement, de, tu vois, silence, d'engagement, d'espoir, la fin de quelque chose, mais il y a le début. Et puis il y a cette tempête qui vient un peu bousculer des choses, qui peut porter à confusion, qui peut créer un déséquilibre avec des doutes. Et là, j'ai l'impression que cet isolement, cette force dans l'isolement, dans ta solitude peut-être, va être de te faire confiance, en fait. Je pense qu'on veut vraiment nous faire comprendre quelque chose avec ce amour de soi, de garde les choses pour toi. Tu vois, je t'ai même pas montré les cartes. Tu vois, là, quand elle. Tu vois, comme si elle disait non, garde pour toi, garde pour toi, garde les choses pour toi. De ne pas, tu vois, même là avec celle-là, l'isolement, comme si tu voulais pas qu'on te prenne quelque chose, alors que celle-là, là, cet isolement-là, c'est plus comme si tu prenais du recul, tu vois, tu te poses, là, tu prends un peu de recul. Allez, bah écoute, c'est important, là, il y a encore le silence. Et le silence, alors j'ai silence, effondrement d'un côté, et silence, isolement d'un côté, et isolement et silence de l'autre. Donc il y a une importance à... Alors là, cette fois, tu vois, là, le silence, là, il est à côté de la création, donc d'un début. C'est vrai que c'est la carte 1. Pardon. La carte 1. Et ici, le silence est à côté du... J'ose même pas dire le mot, mais pourtant il n'y a pas à avoir peur. C'est la carte du cercueil, qui est une fin, une transition, une transformation. Donc oui, d'un côté le silence sur le début et de l'autre le silence sur la fin. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas la fin d'un engagement et le début d'un autre? Tu vois que ça se croise. Allez, une autre avec la dernière ligne. La roue, à nouveau la roue. Elles sortent beaucoup en double, les cartes. La roue, si je prends la roue, qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue?
Ben, on est en changement, en mouvement, en voyage. Tu as beaucoup de notions, tu as beaucoup cette notion de mouvement, de changement. Je l'ai avec la tempête, tu vois, tout qui se bouscule. Parce que là, avec la roue de la fortune, ben oui, pareil, c'est exactement la même chose. Ben oui, c'est la même chose, la roue. Tu vois, tu as quand même les cartes qui sortent toutes, enfin presque, en double. Donc déjà, enfin en double et en triple, parce que la tempête, c'est le changement aussi. Allez, on va continuer. Je vais en prendre une troisième encore pour là-haut. Là-haut, là-haut. Là, ici, on a réconciliation. Réconciliation avec la... Ah, il y avait l'engagement. Le début d'un engagement, le fin d'un engagement, que je te disais peut-être que ça se... Et là, on a réconciliation. Par contre, je sais pas si c'est pour le travail ou... Moi, je crois que c'est avec toi, en fait. Moi, je suis persuadé que c'est toi et toi. Toi et tes projets. Toi et tes ambitions. Toi et, tu vois, je vois plus ça comme ça, en fait. Ah bah, regarde, elle ressort encore, la tempête. La tempête qui ressort. Il y a vraiment des changements qui vont se faire. C'est en fait là pour toi ce mois Capricorne. Alors c'est vu qu'on est le 11, on peut aller jusqu'au 11 du mois prochain. Ça peut même déborder. Ça peut-être que ça a déjà commencé en fait. Hein. C'est je suis supposé te faire l'astro du mois de mai, mais on est le 11 mai. Donc après je te laisse à toi. La liberté de faire comme tu veux, si tu veux prendre depuis le début. Mais peut-être que s'il y a des choses qui te parlent, qui se sont déjà arrivées, qui se sont déjà passées en début de mois, après, ça peut déborder souvent. Hein. C'est pas hop, un mois, 30 jours pile poil et ça s'arrête. Hein. C'est pas aussi simple, aussi évident que ça. Hein. Allez, une troisième et j'essaye de. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça va être? Stabilité. Bien, bien. On finit avec la stabilité. C'est très, très bien. Et ici, on a les discussions qui sont là. Donc, on va pouvoir... Maintenant, j'ai toutes les cartes là. On va pouvoir faire quelque chose. Amour de soi, très important. Donc, c'était la carte... Les deux cartes principales qui sont sorties, c'est l'amour de soi et la tempête. Donc, l'amour de soi, estime de soi, confiance en soi. La tempête avec ce changement, on bouscule les choses, mais c'est aussi une carte de mouvement. De mouvement. Je souligne l'importance du mouvement. Parce qu'il y a énormément de cartes de mouvement. Tu as beaucoup de mouvement. Avec la roue qui est deux fois. Tu as deux fois la roue, donc deux fois du mouvement. Tu as deux fois la tempête. Donc ça fait encore du mouvement. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, voilà, quoi. Mouvement. Création aussi. La création, ça peut être une carte. On peut considérer la création comme une carte de mouvement puisque tu mets des choses en place. Enfin bref. Donc. Là-bas, je suis en train de voir avec la force, l'isolement et la réconciliation. Je me demande si justement, tu vois, le fait de prendre un peu de recul, peut-être d'avoir une discussion. Une discussion avec toi-même
faire le point, tu vois, te réconcilier avec toi-même. On te demande de t'aimer hein, quand même. On te demande ici, on te demande de te faire confiance à toi, de t'aimer, tu vois, c'est ton toi, amour de soi. Donc vraiment, on te demande de t'aimer. Donc là, on a cette notion de réconciliation avec soi-même. Un engagement pareil avec soi-même. Alors, est-ce que c'est l'enfant que tu étais qui avec qui tu fais un engagement, ou tu vois, il y a une, cette notion de. En fait, là, je ressens plus la notion de légèreté, insouciance, tu vois, de quand t'es gamin. Ouais, donc hop, hop, hop. Parce que là, tu serais un peu dans les doutes. Ça peut être un nouveau départ. Mais on te demande quand même de garder le silence, en fait, de ne pas trop en parler, de ne pas en parler du tout, pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, c'est à toi. Là, il y a quelque chose. je peux pas donner de mots. À ce que je ressens, parce que c'est. Je veux pas t'influencer en fait dans ce que moi j'ai en tête, parce que ben voilà, c'est en fonction de toi aussi, hein. Mais parce que là, moi j'ai. Alors, c'est pas. Peut-être un travail sur soi aussi, peut-être. Parce que cet isolement, moi, je le ressens pas comme négatif, en fait. C'est pas quelque chose de négatif, tu t'isoles, allez, hop, tu pars t'isoler. Non, c'est prendre du recul, bah, pour analyser la situation peut-être, mais là, ça te concerne toi, en fait. Ça te concerne toi. Mais on te. Mais quand même, garde le silence, quoi. Et avec cette fin, c'est pareil. Ça se croise, hein, en fait. T'as la création, t'as le début, la fin, t'as le début, la fin qui se croisent avec l'engagement. Donc, y a une fin d'engagement, mais il y a aussi un début, et je crois qu'il y a d'abord un début et après une fin. Donc tu vas peut-être commencer par. C'est peut-être pour ça qu'il faut. C'est peut-être pour ça, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut que tu gardes le silence, en fait. Alors après, confusion, hop, 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 j'essaye de comprendre, parce que là, il est nouveau, hein, tu m'excuseras, mais il est nouveau, ce jeu, mais bon, il parle beaucoup quand même. Le truc, c'est que. En fait, je sais pas. Tu vois, c'est comme si. C'est comme si tu rencontrais une personne. Tu es en couple, par exemple. Tu es en couple et tu rencontres une autre personne. Tu t'engages avec cette autre personne. Tu démarres quelque chose avec cette autre personne. Et après. Une fois que tu as moins de doutes sur cette deuxième relation, on va dire, tu mets fin à la relation que tu avais avant. Tu vois, bon, ça peut être un peu tordu, mais je sais pas, j'ai ça qui m'est venu là. J'ai ça qui m'est venu avec ce garde du silence avec le début de ce quelque chose. Tant qu'il y a des doutes, ou je sais pas, le temps de dissiper les doutes, le temps avec la tempête, tu vois. De toute façon, il y a cette tempête qui va tout bousculer, hein. Mais la tempête, en fait, la tempête, elle va arriver. En fait, la tempête, elle va arriver quand la fin de l'engagement, enfin, la fin
Viens là. Viens. Viens. Elle est bien. Désolé. Des fois, il fait des petites crises de... Je sais pas, il appelle ses copains, mais pourtant, il, je sais pas s'ils sont là, il peut aller dehors. Ben, si, il est là, regarde. Bref. La tempête, elle arrive avec la fin de l'engagement, pas avec le début. Donc, en fait, c'est peut-être pour ça qu'on tu dois garder le silence, en fait. Tant que il y a des doutes et tant que la fin, tant que tu n'as pas encore mis en place la fin de ce quelque chose. Alors après, ça peut être aussi un projet. Ça peut être aussi un projet. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais tu vois, il y a cette notion de début et de fin, mais c'est pas la même, c'est pas le même projet, c'est pas la même personne. Si on parle dans le sentimental, ça sera pas la même personne. Si on parle d'un projet, ce sera deux projets différents. Et voilà, il y a une confusion. Donc c'est peut-être que tu n'es pas bien sûr ou enfin bref, voilà. Je pense que là je me répète un peu, donc je voilà. On a donc le changement qui arrive après. Donc après, il y a le changement. Il y a donc la stabilité qui arrive, mais après. Alors oui, il va y avoir... garde espoir, j'ai envie de te dire. Garde espoir, reste sur sur ton chemin, sur ton but à atteindre. Prends les choses avec un peu de légèreté parce que il y a l'impression. Prends les choses avec légèreté parce que si la tempête est là, en plus il y a quand même le serpent aussi qui est là. Alors là, le serpent, je l'ai pris comme espoir. Mais voilà. On va garder ce mais. J'ai pas pris le dos. C'était discussion. Et on a deux fois silence. Et là, on a discussion. Donc, tu vois, il y a les doutes. Tout ça, pour moi, ça... En fait, quand j'ai des cartes comme ça qui se contredisent un peu, comme là, il y a silence et discussion, des fois, il y a réussite et échec. Pour moi, ça veut dire des doutes, en fait. Ça reste dans les doutes, mais ça va se bousculer. Il va y avoir, de toute façon, ça va passer en mouvement, ça va entrer en mouvement. Oui, je m'arrête parce que sinon, je vais répéter encore en boucle en fait. Hein. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages qui viennent, s'il y a d'autres choses qui viennent, mais non. Donc, ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Sois fort, sois forte. Sois bon, sois bonne avec toi. Hein. Aime-toi. Réconcilie-toi avec toi. C'est une force dont tu vas avoir besoin. Hein. Tu vas avoir besoin de cette force. Cette force justement, de cette capacité à t'isoler, à prendre du recul sur les choses, à prendre sur toi aussi. Parce que garder le silence, c'est pas toujours évident de se taire. Hein. C'est pas toujours évident. Donc, bon, on finit quand même par la stabilité, hein, les changements, la stabilité. Mais d'abord, il va falloir traverser cette tempête. Là, avec le petit oracle de l'arbre de vie,
On a l'alvéole. Donc là, on est dans le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée. En montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination. Mets en valeur les aptitudes, tes aptitudes avec modestie. Tu te feras connaître. Ben ouais, on a encore cette notion de silence. Donc métier, ben en fait, ben, tiens, je me posais la question. Ben, on a la réponse en fait. On parle de professionnel du coup. On est plus dans le professionnel. On est plus dans le professionnel. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Ouais, la force, l'isolement, tout ça. Ok. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Donc tu vois, garde le silence, ne parle pas trop. Ouais, retiens, reste en retenue. Il y a la légèreté. Reste en retenue. Tu te feras reconnaître. Tu te feras reconnaître. Et là, on a l'engagement. Le mouvement, la stabilité, ben la stabilité, tu te feras reconnaître, on peut finir comme ça, la stabilité. Bon, j'espère que ça te va. Que tu as compris quelque chose à tout ce que j'ai dit, parce que moi, j'ai rien compris. Moi, je n'ai rien compris. En même temps, c'est normal, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc, c'est pas à moi de comprendre, c'est à toi. Ben moi je vais t'envoyer plein de bonnes énergies. Et je vais te dire sois fort, sois forte. Et avance, avance, va jusqu'au fond des choses, jusqu'au bout des choses, pardon. Vas-y, hein. C'est un changement qui devrait être positif. En tout cas, il apparaît avec une qui va t'apporter une stabilité en fait. C'est un changement qui va t'apporter une stabilité. Donc, moi j'ai envie de te dire, bah, vas-y, vas-y. De toute façon, c'est toujours. C'est peut-être le moment justement pour toi, Capricorne. C'est peut-être le moment de tout bousculer, tu vois. De tout bousculer, tu vois comme la tempête elle vient quand il y a une tempête ça détruit mais ça fout un bordel monstre. Eh bien peut-être que là c'est peut-être ça, tu vois, de bousculer un peu ton organisation pour remettre un peu les choses pour redémarrer quelque chose d'autre ou voilà dans quelque chose comme ça. Bon, je m'arrête là parce que là ça part. Donc eh ben écoute, bon mois, je te souhaite un très très bon mois avec beaucoup d'amour de toi. Et je te dis à très très vite. N'hésite pas à aller voir la vidéo du mois de mai. Et n'hésite pas à voir ton ascendant, etc. etc. Les autres signes qui te correspondent. Pour compléter justement ce tirage. Peut-être que ça va t'aider. Ou pas. Je sais pas. Allez, je t'embrasse très très fort. Je te fais de gros câlins. Sans les cornes, s'il te plêt, hein. Petite bête à cornes. Et tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et comme d'hab, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ciao, ciao!